Alors, je pense que nous allons bientôt démarrer. On a accusé 7 minutes de retard et on s'en excuse. Et voilà. Donc, chers panélistes, auditeurs, étudiants, chers collègues, bonsoir. Le groupe Subdeco vous remercie de votre fidélité sans cesse renouvelée. Je suis Chartigan Somme, donc chargé des relations avec les entreprises partenaires du groupe Subdeco. Et je souhaiterais déjà remercier la direction générale et la direction académique de Subdeco, Monsieur Aboubacar Sédersi, Monsieur Abdoulaziz Si, Madame Sar Yasmine. Je remercie également tous mes vaillants collègues qui ont participé à l'organisation de ce webinaire, à nos brillants panélistes, grâce à qui ce webinaire a suscité beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie de votre esprit de partage et de votre disponibilité, malgré vos agendas très chargés. Alors, j'aurai l'honneur de vous présenter nos chers panélistes. Nous aurons l'occasion d'avoir Monsieur Stanislas Zézé. Il est le PDG de Bloomfield Investment Corporation, dont le siège est basé en Côte d'Ivoire. Il est diplômé de University of Michigan, où il a obtenu son Master of Public Administration, avec une spécialisation en gestion de risques financiers et en planification stratégique pour développement économique. Monsieur Zézé a une très riche expérience en gestion de risques financiers et opérationnels, acquise dans des institutions de renom telles que la Banque mondiale à Washington, la National Bank of Detroit. Stanislas a également été Senior Country Credit Officer à la Banque africaine de développement. En 2007, il est le fondateur de Bloomfield Investment Corporation, qui est une agence de notation financière réputée en Afrique. En août 2019, il est décoré officier de l'Ordre national par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. Monsieur Zézé, merci de nous honorer de votre présence, on espère. Alors ensuite, on a Monsieur Anwar Hassoun, qui est l'un des fondateurs d'Eurice Group et de West Africa Rating Agency, WARA, dont il est le PDG. Il est expert en analyse crédit et en finance islamique. Anwar a été de 2008 à 2011 vice-président de Moody's Investors Service, où il a assuré la notation financière de banques islamiques. En 2001 et 2008, Anwar, entre 2001 et 2008, Anwar a été directeur associé dans une autre agence de notation financière, Standard & Poor's, où il a contribué à élargir la couverture en notation des émetteurs du Moyen-Orient et également à approfondir les méthodes et techniques analytiques applicables aux institutions financières islamiques de cette région. Il est agrégé en sciences de gestion. M. Anwar a été professeur à Dauphine, à l'école HEC, à Sciences Po et à l'ENA, où il a proposé des modules de finances islamiques, essentiellement orienté vers les banques islamiques et les marchés de capitaux. Monsieur Hassoun, nous sommes honorés de vous recevoir sur ce plateau. Ensuite, nous avons Monsieur Idrissa Djabira, qui est le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des PME, la DPME. Après son magistère de physique fondamentale à l'Université Paris-Sud, conclu par une spécialisation dans le pétrole à Stanford University, Idrissa effectue un DEA en sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine, puis il débute dans le privé en 2000 comme ingénieur d'études au sein de la multinationale informatique Atos Origin. En 2009, il fonde Interface Africa, un cabinet panafricain spécialisé dans l'ingénierie financière et économique. Idrissa Djabira coordonne dans ce cadre, en 2011, l'élaboration du programme du candidat Macky Sall, Yonu Yokute. En 2017, le chef de l'État le nomme directeur général de l'ADPME. Merci, Monsieur Djabira, d'avoir répondu présent. Enfin, nous avons Catherine Gerst, qui sera notre modératrice de la séance. Elle fut responsable des crédits export de la Banque de l'Union européenne entre 1984 et 1991 sur la zone Asie et les pays de l'Est. En 1991, Madame Gerst rejoint l'agence de notation Moody's Investors Service à Paris, dont elle a été la directrice générale. Après son passage en banque d'affaires entre 2000 et 2003 comme conseil en notation de groupe industriel, elle a rejoint le monde de la communication financière en tant que partner chez Brunswick,
de 2003 à 2005, en charge de la communication financière des opérations d'introduction en bourse, de fusion et acquisition. En 2010, Catherine a été nommée maître de conférence associée à l'Université d'Évry dans le master ingénierie financière. Elle intervient également dans le master ingénierie financière de Subdeco. Elle a d'ailleurs occupé un rôle prépondérant dans la tenue de ce webinaire. Donc, chers panélistes, nous vous souhaitons une très belle séance en compagnie de Catherine, la modératrice. Catherine, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Et donc, pour aborder d'entrée de jeu le sujet de cette conférence, je dirais que la crise du Covid se double d'une crise économique et nous plonge vraiment dans une grande incertitude. Les bourses sont fébriles. On voit que cette crise affecte déjà fortement les marchés financiers et de nombreux secteurs de l'économie. Mais pas tous. Certains, au contraire, semblent en bénéficier largement, comme les industries du numérique, les ventes en ligne, les GAFAM. Alors, la première question que j'ai envie de poser à nos intervenants, c'est est-ce que cette pandémie, selon vous, va affecter toutes les zones économiques dans le monde de la même façon, tous les marchés financiers de la même façon. Et si on voit déjà se profiler aux États-Unis et dans la zone euro des mouvements de consolidation, notamment dans la sphère financière, et le lancement de plusieurs offres publiques d'achat, dont certaines sont hostiles, dans un grand mouvement de consolidation. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut penser de l'influence de cette crise sur l'Afrique? Est-ce que c'est pareil en Afrique ou est-ce que c'est différent? Et est-ce qu'on peut attendre finalement que dans certains endroits et certains secteurs de l'économie et pour certains acteurs, cette crise se révèle finalement une opportunité? Voilà, je jette cette première question en débat à nos participants. Peut-être, Anouar, vous souhaitez commencer? Ah, moi, je veux bien, c'est toujours un plaisir. Merci à Subdeco pour l'invitation. Je dois dire à nos camarades de Subdeco et aux étudiants qui nous écoutent que ma salle de classe me manque horriblement et que j'en ai un petit peu marre de donner des cours et des conférences par Zoom et qu'il serait temps de retrouver l'ambiance si particulière et si chaleureuse d'une salle de classe. Cela étant dit, on est à Subdeco, donc il faut qu'on parle de technique, mais pas que de technique, il faut aussi qu'on parle un peu de concept. Et le point de départ de la réflexion, chère Catherine, c'est que cette crise, c'est une crise de la mondialisation. C'est une des manifestations d'une mondialisation en crise, pour deux raisons. C'est une crise de la mondialisation dans ses causes, mais c'est aussi une crise de la mondialisation dans ses effets. Et ça me permettra de donner mon point de vue qu'on a écrit dans une note de recherche il y a quelques mois sur l'effet du Covid attendu en Afrique de l'Ouest. Et je répondrai avec plaisir à cette question à laquelle nous avons déjà contribué assez considérablement dans les médias. Donc, c'est une crise de la mondialisation dans ses causes. D'abord, c'est la pression sur les rendements qui est liée à la mondialisation qui a générer un bouleversement des écosystèmes naturels. Et lorsque les écosystèmes naturels sont bouleversés, en général, il y a des conséquences. Et l'une de ces conséquences qu'on a déjà vues à l'occasion du SRAS, c'est la tombée de la barrière entre l'animal et l'homme en matière de résilience à des effets viraux. Donc là, l'une des causes de la crise de la pandémie qu'on connaît est liée directement à la mondialisation et à ses excès, à savoir l'exploitation un peu trop radicale des ressources naturelles finies, qu'on voit d'ailleurs aussi dans le monde de l'énergie. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard dans cette conversation. Et puis ensuite, de manière beaucoup plus importante, c'est une crise de la mondialisation dans ses effets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'une épidémie émerge dans une zone du globe, en général, elle se transforme en pandémie si le virus qui en est la source ou la bactérie est virulente. D'ailleurs, c'est un terme qui partage la même racine que virus.
Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un phénomène de crise qui émerge quelque part, tout de suite, du fait de la mondialisation, ses effets sur les populations humaines et ensuite sur l'économie mondiale est quasiment immédiat avec des effets globaux. Alors, l'Afrique, chez nous, on est beaucoup moins mondialisé. Par conséquent, les effets immédiats de la crise se sentent moins. Je vais vous donner un chiffre, ça va vous parler. L'ensemble la somme totale des victimes létales, c'est-à-dire mortelles du Covid sur le continent africain, c'est 37 500 personnes. C'est moins pour la seule France. De santé sont là, nos modes de vie sont différents. C'est simplement parce que nous sommes moins connectés à la mondialisation. Et pour une fois, cet effet de sanctuarisation joue davantage dans notre faveur. Et la dernière chose que je voulais dire sur cette question-là, ça ne nous empêche pas pour autant de penser la crise comme un changement assez radical de paradigme. Catherine, vous l'avez souligné un peu plus tôt, des OPA hostiles, des consolidations, des changements de mode de consommation, des changements de mode de gouvernance qui se produisent sous nos yeux avec des effets très certainement durables. Si nous, en Afrique, nous ne prenons pas acte de ces phénomènes mondiaux qui, pour l'instant, touchent le Nord, parce que c'est le Nord qui souffre le plus de la crise, alors nous allons rater le deuxième train de la mondialisation, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. On rentrera, si vous le voulez bien, dans un peu plus de détails au cours de la conversation. Je m'arrête là pour le topo introductif et je vous repasse la parole, Catherine. Merci, Anouar. Idrissa, vous qui êtes plongé dans le monde des PME, qui traditionnellement, hein, dans la zone euro comme en Afrique, ont de manière générale souvent le plus grand mal à se financer. Pour vous, qu'est-ce que cette crise peut avoir comme conséquence sur le très riche tissu des PME africaines, notamment dans la zone UEMOA? Merci Catherine. Bonjour à tous. Encore merci à Subdoco de nous donner l'occasion de réfléchir à cette crise, son origine, ses effets et comme disait Victor Hugo, dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze. Qu'est-ce que nous ferons de cette crise? Oui. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de la transcender et de s'assurer qu'elle nous permet de nous transformer, d'être effectivement plus résilients, ça a été un mot à la mode ou qu'on a redécouvert, ou bien effectivement est-ce que business as usual, les choses vont revenir en leur état. Alors, Anouar l'a dit, les effets sanitaires, économiques de la mondialisation, ils sont clairs, ils sont affirmés. Paradoxalement, effectivement, pour un pays comme le Sénégal, pour les pays en développement, c'est peut-être une occasion et une opportunité presque inespérée. Pourquoi? Parce que des indépendances à nos jours, on a construit le développement économique sur un modèle presque dual qui était, se répartissait entre une paysannerie, entre guillemets, qui avait vocation à se développer et une administration publique qui était presque l'idéal de transformation de nos sociétés et l'idéal des orientations des paysans ou des personnes du monde rural. Et pendant 20, 30, 40 ans, globalement, ce modèle dual a perduré et continue à perdurer. Malheureusement, entre-temps, ce qui s'est développé, ce n'est pas ce qui était attendu, à savoir une modernisation de l'économie, mais un secteur informel qui s'est développé et qui souvent a été considéré comme une externalité négative ou bien en tout cas quelque chose qui à terme avait vocation à se résorber à côté de ces deux grands modèles
qui était le monde rural et le monde moderne, et notamment le monde administratif. Ce qui nous amène pour le Sénégal, mais ça vaut pour la plupart des pays ouest-africains, à la photographie que le recensement général des entreprises a pu nous donner, à une économie où les entreprises, pour le Sénégal, c'est à peu près 408 000 entreprises recensées, une économie portée à 90% de son chiffre d'affaires par moins de 10 000 entreprises. Au Sénégal, c'est même 0,2% des entreprises, à savoir celles qui font plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, considérées comme étant les grandes entreprises, qui portent 70% du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises. Si on prend les autres entreprises ou les autres secteurs, moyenne entreprise et petite entreprise, celles qui dépassent les 100 millions, on a moins de 10 000 entreprises qui pèsent quasiment 90% du chiffre d'affaires. Et de ces entreprises, 97% n'ont pas d'état financier ou sont considérées comme informelles au sens où elles n'ont pas justement d'état financier au sens du CISCOA. Alors, l'informel, ça peut être un autre débat parce que c'est plus des degrés de formalité dont il s'agit de parler, mais retenons quand même ces grandes valeurs, à savoir 97% d'entreprises qui n'ont pas d'état financier. Et en soi, cette crise, elle vient jeter un regard cru sur les acteurs inconnus de cette économie depuis des décennies, alors que les précédentes crises avaient comme effet plutôt de venir renforcer le secteur informel, d'en faire un secteur refuge, d'en faire un refuge de l'économie. Cette crise, contrairement aux autres, parce qu'elle a immobilisé des pans entiers de l'économie, parce qu'elle a stoppé les échanges entre les régions, avec l'extérieur, les importations d'un certain nombre de matières premières, cette crise, elle, vient mettre le doigt sur l'économie réelle, ce que beaucoup d'autres crises n'avaient pas la vertu, entre guillemets, de faire. Et donc, en soi, elle vient peut-être aider à une nécessité dans nos économies, à savoir faire en sorte que les PME, donc 99,8% de nos entreprises, deviennent un paradigme à part entière, deviennent une préoccupation de l'ensemble des acteurs. Et dans cette préoccupation, c'est les mécanismes de financement qui, justement, ont vocation à se mettre en branle pour être en mesure de toucher, de sauver, d'aider à se relancer ces acteurs économiques. Or, on était dans une problématique absolument majeure. Comment faciliter l'accès au financement des entreprises de manière générale? On savait que la qualité de l'information liée aux asymétries qu'il pouvait y avoir entre les institutions financières et les entreprises était un problème majeur. Là, il devient encore plus parce qu'effectivement, ce qu'il s'agit de sauver, ce qu'il s'agit d'accompagner, ne sont pas identifiés, ne sont pas forcément connus, n'ont pas des modalités avec un système minimal de trésorerie susceptible de permettre d'appréhender la nature de l'activité et au final de bénéficier des mécanismes classiques et notamment des mécanismes classiques de financement mis en place, notamment le secteur bancaire et le secteur finance. Et c'est en cela, et je pense qu'on aura aussi après l'occasion de revenir à cette question, c'est en ça que le doigt est posé comme jamais il ne l'a été sur la question de fond des PME et de leur développement, formaliser massivement ces entreprises, faire en sorte qu'une partie de ces dernières deviennent des futurs champions, qu'elles puissent grandir. Et donc sur le point critique du développement des entreprises, à savoir l'information, ce qui la caractérise dans leur activité, le carnet de santé de l'entreprise, à savoir leurs états financiers, comment est-ce que l'on s'accorde pour pouvoir déployer cette,
ces informations, ou en tout cas les rendre, les mettre à disposition des entreprises, en tout cas que ces dernières puissent les avoir pour elles-mêmes, mais pour l'écosystème financier. Et donc, comment est-ce qu'on a une information de qualité? Et qui dit information dit gestion du risque qui est lié à ces informations en fonction des différents acteurs de financement, qu'ils soient de la microfinance, du secteur bancaire, du secteur du capital risque ou des marchés financiers, et qui se penche sur la question du secteur du risque et de l'information, vient effectivement avoir une approche beaucoup plus fine sur les modalités de mobiliser des ressources supplémentaires pour financer ce secteur des PME qui est structurellement déficitaire en financement, l'économie de manière générale, mais encore plus celui des PME. Et c'est en cela que le marché financier, qui lui a comme alpha et oméga la gestion du risque et la capacité de l'appréhender, apporte, et on le verra peut-être, des éléments de réponse bien plus importants qu'on ne le croit et bien plus ténus qu'on le croit pour faire en sorte de financer cette économie et que les PME puissent y avoir, accès. Donc voilà un peu comment j'aurais tendance à appréhender cette crise et peut-être l'opportunité qu'elle peut être pour le développement des entreprises africaines et entreprises sénégalaises en particulier au travers du marché financier, on le verra notamment en regardant un peu ce qui se passe du côté des obligations. Merci beaucoup, Monsieur Diabira. Et du coup, je vais me tourner vers Monsieur Stanislas Zézé, qui nous a rejoint, avec une question dans la continuité qui est posée par l'un des participants. Hein. C'est quelle solution à la problématique du financement bancaire des PME, notamment face au Covid? Et donc, je rajoute cette question, quelque chose à cette question, en posant à Monsieur Zézé la question suivante, c'est comment peut-on, à votre avis, réorienter vers le financement de l'économie africaine et des PME les richesses des investisseurs africains? Est-ce que cette crise pourrait être l'occasion, justement, de se pencher sur cette question et d'engager des réformes, peut-être, pour que l'épargne africaine vienne se mobiliser pour financer les acteurs de l'économie africaine? Merci, Catherine. Bonsoir tout le monde. Et désolé pour ce retard. Hein. J'attendais le lien que je n'avais pas reçu. Et je l'ai reçu là tout de suite, donc vraiment, je suis désolé. Merci. Je pense que ce n'est pas la crise qui va occasionner les difficultés de financement des PME. Enfin, elles ont déjà ces difficultés-là. Je crois que le précédent intervenant a mis en relief certaines des difficultés que les PME ont. Je crois que ces difficultés-là demeurent. Elles n'ont pas été renforcées par la crise, mais elles ont été mises en lumière par la crise. Et aujourd'hui, il est important de revoir nos PME. Parce que finalement, ces PME constituent entre 95 et 98% du tissu économique. Donc évidemment, quand on parle de sauver les PME, c'est sauver une économie tout entière, même si elle ne participe pas en termes de contribution à la richesse créée, elles contribuent à moins de 20%, mais ceci dit, elles sont plus créatrices d'emplois et d'autres choses. Donc aujourd'hui, il s'agit de comprendre pourquoi nous sommes à la croisée des chemins. Il s'agit de comprendre pourquoi nos PME ne sont pas capables justement de contribuer à plus de 50%, voire 60 ou 70% de la richesse créée. Et c'est plutôt les grandes entreprises, et généralement étrangères, qui créent cette richesse qui est créée dans les pays africains. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, malgré le taux de croissance très élevé, on a un niveau de pauvreté qui diminue très, très peu, parce que les bénéfices ne sont pas réinvestis dans l'économie domestique. Donc aujourd'hui, il s'agit de mettre l'accent sur l'économie domestique. Mais ceci dit, ces PME... Quand on crée une entreprise, on ne crée pas une entreprise pour emprunter de l'argent.
C'est pas pour ça qu'on crée une entreprise. On crée une entreprise pour vendre un produit, pour vendre un service. Donc, on crée une entreprise pour trouver des marchés. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit performant. Il faut qu'on ait un produit qu'on propose qui soit attractif et qu'on ait un écosystème qui permet justement de proposer ce produit, de concevoir ce produit et d'avoir justement des marchés. Et donc, ça veut dire qu'il faut revoir la politique même autour de l'entrepreneuriat, la politique autour de ces entreprises-là, qui généralement sont très faibles. Elles sont faibles, pourquoi? Parce que la façon dont les PME sont construites, l'idée même de créer une PME, donc évidemment, on parle de l'informel, on veut créer juste quelque chose, et donc on prend des mauvaises habitudes. Même quand l'entreprise grandit, devient une PME moyenne, on prend des mauvaises habitudes. Donc, je crois que le problème le plus important des PME aujourd'hui, avant de parler du financement, c'est la structuration de ces PME-là, c'est la performance de ces PME, c'est la gouvernance de ces PME, c'est l'organisation de ces PME-là. On a longtemps mis l'accent sur le financement sans comprendre qu'en réalité, il faut plutôt améliorer la capacité de ces PME à pouvoir absorber les financements et à pouvoir attirer les financements finalement. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de vraiment se pencher sur la capacité de ces PME à absorber les fonds qu'elles rechercheraient éventuellement, ok, et de mettre l'accent sur la performance de ces PME-là. L'argent, il existe. L'argent, il est là. On en a parlé. L'argent, il est là. Aujourd'hui, évidemment, comme vous dites, on se rend bien compte que c'est l'argent de l'Afrique qui va certainement contribuer au développement de l'Afrique. Mais comment ça va se faire? Les banques ont une approche assez orthodoxe, un canevas très clair. Si vous ne rentrez pas dans les critères de la banque, on ne vous prête pas. Ce que je pense qui pourrait être une solution aujourd'hui, c'est d'avoir des fonds d'investissement avec des fonds locaux, des fonds régionaux, qui feront que les politiques d'investissement soient tournées vers les PME et les tickets d'investissement soient des tickets à hauteur des besoins des PME. Évidemment, les fonds d'investissement ont vocation à accompagner les entités dans lesquelles elles investissent parce qu'elles prennent le même risque que ces entités-là. Donc, évidemment, avoir des fonds d'investissement qui soient dédiés aux PME avec de l'argent local, donc évidemment, pour éviter les contraintes d'orientation d'investissement, parce qu'évidemment, celui qui vient de l'extérieur n'a pas la même compréhension de l'utilité de ces PME-là pour les économies domestiques. Donc, il s'agit aujourd'hui d'avoir des fonds qui soient des fonds locaux, des fonds régionaux, en monnaie locale, de préférence, hein, en monnaie locale naturellement, pour pouvoir, et qui ont la capacité de dimensionner le ticket en fonction des besoins des PME, qui ont la capacité de comprendre la problématique des PME, qui ont la capacité d'accompagner les PME en les aidant à se structurer et avoir une meilleure gouvernance et avoir une capacité d'absorption des fonds qui leur permettent justement de pouvoir bien gérer les fonds qu'elles obtiennent, gérer ça de sorte à multiplier le cash flow et pouvoir évidemment permettre à ces fonds d'investissement locaux ou aux jeunes de sortir par le haut. Et je crois que pour moi, toute la problématique est autour de comment nous redéfinissons la performance de ces PME, comment nous redéfinissons l'écosystème de ces PME-là, en sachant que avec les fonds d'investissement, s'ils réussissent à régler le problème de la gouvernance, le problème de la gestion, le problème de la structuration, à un moment donné, elles auront cette capacité à accéder à des fonds plus classiques qui sont des fonds bancaires, parce qu'elles vont pouvoir avoir les critères désormais qui sont regardés par les banques et elles auront de plus en plus accès à ces banques-là. Et donc, si on règle cette problématique, on règle une problématique générale de leur contribution à la richesse créée dans l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce serait bien quand même de voir dans les pays africains que les PME contribuent à 50-60% de la richesse. Et donc, ça nous ramène aussi à la problématique même du modèle économique de nos pays. Est-ce qu'aujourd'hui, cette crise ne remet pas en question les modèles économiques qui étaient utilisés jusqu'à présent? Et aujourd'hui, il est nécessaire de réfléchir sur de nouveaux modèles économiques qui soient adaptés à nos environnements, qui soient adaptés à nos réalités et qui permettent justement un développement constructif de ce qui représente la grande majorité de notre tissu économique. On ne peut pas avoir une politique
qui soit dirigée vers 5% du tissu économique au lieu de 95% du tissu économique. Ça me paraît tout à fait logique, évident. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment matière à réfléchir parce que je crois que cette pandémie a bien montré les limites de la résilience des économies africaines en particulier et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte de la dépendance extraordinaire des pays africains vis-à-vis de l'extérieur. Et pourtant, on a des PME qui sont des jeunes PME qui pourraient innover, qui pourraient justement combler le vide de cette dépendance-là. Donc, il s'agit aujourd'hui de mettre de vraies politiques, pas des politiques de saupoudrage. Hein. On vous met des politiques, on vous parle de, on crée un fonds de garantie ici, on crée une politique ici pour que les PME accèdent au financement. Mais ce n'est pas ça la problématique, le financement, ça c'est après. Il faut qu'elles soient capables d'absorber ces financements. Donc, pour moi, il faut vraiment mettre un accent sur une réflexion de changement de paradigme économique, de modèle économique, pour pouvoir faire une rupture avec le passé et amorcer une nouvelle ère économique africaine. Merci Stanislas. Mais alors j'ai envie de poser aux trois participants une question. On a un peu l'impression que c'est un peu la quadrature du cercle. Parce que quand on parle au monde du private equity en Afrique, on entend souvent dire effectivement, nous on a l'argent, mais on ne trouve pas les cibles. Les marchés financiers dans la zone sont pour l'instant encore relativement peu développés et ils donnent accès en fait à une cinquantaine ou une soixantaine de grosses entreprises qui souvent viennent de privatisations partielles d'entreprises d'État. Et quand on regarde la sphère bancaire, il y a beaucoup de banques dans la zone UEMOA, au moins 150. Mais on a le sentiment que les banques, de leur côté, elles investissent assez massivement dans des emprunts d'État parce que c'est rentable et ce n'est pas tellement risqué. Et quand on parle aux banques, finalement, elles nous disent « mais tout ce qui est finançable est déjà financé ». Et nous, on n'est pas là pour perdre de l'argent, effectivement. Donc, tout ce qu'on ne peut financer en matière de PME ou d'ETI, on le finance, c'est-à-dire tout ce qui répond à nos critères, on le finance. Et le reste, ce n'est pas finançable. Alors, comment on fait quand on est une PME, finalement, quand on n'a pas accès à la bourse, quand on ne correspond pas aux critères des banques et quand on n'est pas forcément encore assez en phase de développement, voire de maturité, pour intéresser un fonds de private equity. Donc, voilà, c'est un peu ma question. Si je peux me permettre de commencer. Elle est posée à tous les trois. Oui. Je me permets de commencer rapidement. écoutez, je crois que déjà, il y a une chose qui est très importante à comprendre. Déjà pour les banques. Hein. Les banques me font un peu rigoler parce qu'elles ont l'impression que l'environnement économique doit s'adapter à elles. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La banque s'adapte à son environnement. Donc, la politique de gestion des risques de la banque doit prendre en considération l'environnement dans lequel elle évolue. Donc, puisque c'est elle qui est supposée financer l'économie, elle va adapter justement sa politique de gestion des risques pour limiter sa casse, pour limiter ses risques. Mais il faut que ce soit en adéquation avec son environnement. Ce n'est pas le contraire. Sinon, elle attendra. Ce n'est pas pour ça que les banques ne se font pas planter. Elles pensent qu'elles ont une politique adéquate de risque, mais elles se font planter tout le temps. Bref. Mais je crois que, comme j'ai dit, aujourd'hui, cette initiative doit être. Les fonds d'investissement ne sont pas généralement sont des fonds d'investissement privés. Oui. Donc, il faut aujourd'hui que si vous voulez, ceux qui ont des fortunes en Afrique ou ceux qui ont la possibilité de mettre des fonds d'investissement en place devraient mettre des fonds d'investissement adaptés en place. Je vous dis pourquoi. Pourquoi je pense que la solution pour les PME africaines aujourd'hui, c'est le fonds d'investissement. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure. Un fonds d'investissement prend le même risque que l'entrepreneur, ce qui n'est pas le cas pour une banque. Donc,
le fonds d'investissement a intérêt que la PME réussisse. Donc, il va s'impliquer plus dans la gestion, dans la gouvernance, dans trouver des marchés, dans conseiller. Okay? Donc, évidemment, la probabilité que la PME réussisse est beaucoup plus grande. Donc, dans ce processus, ça permet de renforcer les capacités de la PME, ça permet de structurer la PME, ça permet d'accompagner la PME. Et ça, c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, ça fait 60 ans qu'on parle de ça, ça fait 40 ans qu'on parle des PME, nos PME ne sont pas structurées, nos PME, et tout ce qu'on vous donne comme réponse en face, c'est elles n'arrivent pas à accéder à des financements. Mais non, mais pourquoi elles n'arrivent pas à accéder à des financements? Mais justement, parce qu'elles n'ont pas la capacité d'absorption, et parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Donc, il faut mettre plutôt l'accent en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles y arrivent? Et moi, personnellement, je pense que les fonds d'investissement africains avec de l'argent local. Parce que les besoins des PME ne sont pas des grands besoins. Quand vous avez un fonds d'investissement qui vous dit « moi, je veux investir dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, mon ticket minimum, c'est 50 millions, 60 millions de dollars », ben, ça ne correspond, correspond pas aux besoins d'une PME, non. Et ça ne les intéresse pas, les PME, de toute façon. Donc, en réalité, si vous voulez, la logique de développer les PME et, si vous voulez, le besoin de développer les PME va venir de l'intérieur, va venir de l'Afrique, va pas venir de l'extérieur. On ne peut pas reprocher à un fonds d'investissement anglais ou américain ou français de vouloir investir que dans les grosses infrastructures, de grosses infrastructures qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Non, on ne peut pas. Il faut créer nos propres fonds d'investissement qui correspondent aux besoins de notre marché domestique. Donc, vous en avez déjà un certain nombre de fonds de capital développement locaux. Avec des fonds de l'extérieur. J'en ai vu quasiment aucun avec des fonds locaux. Il ne s'agit pas de prendre l'argent. Enfin, vous pouvez prendre l'argent à Abidjan, mais si vous prenez à la BAD, ce n'est pas de l'argent local. Donc, c'est-à-dire que la problématique est la même. Les coupons de 5 millions minimum, de 10 millions minimum de dollars ne correspondent pas aux besoins. On a besoin de fonds d'investissement qui ont des coupons de 50 000 dollars, de 50 millions de francs CFA, de 100 millions de francs CFA, de 200 millions de francs CFA, 500 millions, 1 milliard. Voilà les besoins des PME, entre 50 millions certainement et 1 milliard de francs CFA. Et ça, on n'a pas ça. D'accord. Mais alors là, je me tourne vers Idrissa pour vous poser la question. Idrissa, alors comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les PME, justement en amont du financement, avant même de se poser la question du financement, deviennent des cibles séduisantes et attractives pour quelques financeurs que ce soit? Que ce soit les banques, que ce soit les fonds de private equity locaux, ou que ce soit le comportement PME de la BRVM. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Catherine l'avait dit, je pense que de l'argent, il y en a. On a la zone peut-être où les banques sont les plus surliquides au monde. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Les fonds de private equity, les fonds de capital investissement, effectivement, ils vont vous dire qu'on cherche les bons projets. Sur le marché financier, on n'a pas dit effectivement les types d'impact, mais si les États se ruent sur les marchés des obligations et sursouscrit, ce n'est pas pour rien, c'est que globalement, il y a des choses qui sont susceptibles de se faire. Donc, je prenais part à la concertation régionale sur le crédit qu'organisait la BCAO il y a quelques temps, et on était effectivement souvent amené à dire oui, bon, le business model des entreprises, il faut qu'il soit le bon. Là où je rejoins Stanislas, c'est que ce que je disais, c'est qu'il faut aussi penser sur le business model des banques qui sont dans notre zone. Eh oui. Parce que lorsque 9% du portefeuille des banques globalement financent les PME et que ces dernières peuvent très bien s'en sortir sans pouvoir le faire, donc globalement sans les financer, c'est que globalement ça ne pose pas de problème. Donc la question à un moment, c'est que quand le schéma ou les règles permettent à un acteur de pouvoir se passer de ce qui est
la vie active ou la véritable, la réalité de l'économie des pays, c'est que le problème, il se trouve aussi dans le business model de ces acteurs et dans les règles qui sont les règles mises en place pour que ces acteurs puissent jouer le jeu. On est en train de vivre les finales NBA. Je suis un passionné. Mais il y a vers 1950, on a changé les règles au basket. Pourquoi ? Parce qu'on avait terminé un match avec 20 points à 18 points. Parce que les personnes avaient la possibilité justement de garder la balle le temps qu'ils voulaient avant de pouvoir tirer au panier. On a mis la règle des 24 secondes. C'est ce qui fait la grande différence au basket américain avant les autres qui ont changé les règles dernièrement. Donc, les règles du jeu d'abord. Si les règles du jeu qui régissent le secteur ne poussent pas, et c'était parmi mes recommandations, à augmenter notamment les planchers, parce que la banque, et ça c'est faut le noter, a mis en place un mécanisme de refinancement bancaire, un guichet spécial pour le financement des PME, qui est avantageux parce que globalement, au travers de celui-ci, ça leur évite non seulement que les financements au niveau des PME soient pris en compte dans le refinancement qu'elles sollicitent de manière globale, et en plus d'avoir des conditions privilégiées au travers ce guichet en matière de taux et en matière de règles prudentielles. Mais au-delà de ça, si on est à 9% du portefeuille globalement au Sénégal qui finance les PME, si on n'est pas amené collectivement à se donner l'ambition et presque l'injonction de remonter les planchers indispensables qui doivent être ceux qui financent notre économie réelle, on va se retrouver avec un problème qui est un problème important. Oui, les fonds de capital investissement, d'investissement, sont une partie de la réponse, mais largement insuffisante par rapport au secteur économique en question. Même si on vient à décupler la potentialité de ces fonds de capital investissement, on arrive à quoi ? Aujourd'hui, ils sont quoi ? 4, 5, 10 dossiers au mieux par an. Donc, même si on multiplie cette capacité, on va arriver à quoi ? À 100 dossiers, à 1000 entreprises. Donc, ça ne suffit pas. Donc, la question, elle demeure une question où le secteur bancaire, il est un acteur majeur. On ne peut pas simplement passer par perte et profit en disant non, le secteur bancaire, il ne joue pas le jeu, on le laisse et globalement, on se retourne uniquement sur les éléments innovants. On va faire du crowdfunding un peu ici. On va démultiplier les fonds de capital investissement là-bas, etc. Oui, ils ont une importance, mais il y a une additionnalité des mécanismes qui sont à mettre en place. Il y a des règles du jeu qui doivent être corsées pour pouvoir s'assurer que l'on a un volume, comme au basket, de jeux qui vont être plus importants. C'est ces modalités qui vont augmenter les volumes financiers indispensables qui vont être réinjectés, parce qu'à ce moment-là, globalement, on aura des ressources supplémentaires qui seront réinjectées avec des modalités de bonus-malus si on ne les réinjecte pas. Et croyez-moi, dans des conditions comme celle-là, il y a des ressources qui ne vont pas être 9% du portefeuille global qui vont être implémentées dans le secteur financier, mais beaucoup plus. Et c'est cela qui va aussi donner l'interaction avec les autres mécanismes. À la fin de la journée, on évoque la question du risque. La question du risque des fonds de capital investissement ou des autres, puisqu'ils interviennent souvent en equity, c'est de rentrer dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas les mêmes modalités de la gestion du risque. Donc, c'est la gestion de ce risque-là, elle est en rentrant dans le capital de ces entreprises. Il n'empêche que le reste, le secteur bancaire, le secteur financier, les autres acteurs, par d'autres mécanismes, ont besoin d'appréhender le risque des acteurs auprès desquels ils interviennent. Donc, d'avoir des données sur ces entreprises, c'est indispensable. Donc, comment est-ce qu'on généralise et comment est-ce qu'on s'assure d'avoir au minimum un système minimal de trésorerie pour les entreprises et que ce soit démultiplié, pas qu'on en ait 15 000 sur 400 000, mais qu'on en ait 50 000, 60 000. La Côte d'Ivoire, par exemple, contrairement au Sénégal, où on a initié les centres de gestion agréés susceptibles d'accompagner les entreprises pour pouvoir gérer leur comptabilité. On en a 150 qui sont accompagnés aujourd'hui au Sénégal. En Côte d'Ivoire, qui s'est inspiré de ce qui est fait au Sénégal, mais avec une volonté qui est bien différente, on a peut-être une centaine de CGA et on a quasiment 100 000 entreprises
qui sont accompagnés par les CGA et donc ont des éléments qui permettent de traduire leur état financier et leur santé. Donc, des règles, d'une part, des volontés fortes pour pouvoir faire en sorte que ces règles elles s'appuient sur du bonus-malus. Le carnet de santé, c'est ce que j'indique. Personne n'imaginerait ou personne ne souhaite que son enfant n'ait pas de carnet de santé qui permette de savoir comment est-ce qu'il se comporte, et pour lui-même en particulier. Et donc, en cela, oui, l'accompagnement des dirigeants pour qu'ils bénéficient de leur carnet de santé. Il y a une vingtaine ou trentaine d'années, avoir Sage par entreprise, c'était compliqué. Les choses sont digitalisées. Optimiser la capacité de pouvoir gérer les systèmes minimaux de trésorerie d'entreprise à des échelles beaucoup plus importantes, ça ne coûte pas la même chose aujourd'hui qu'hier. Et donc, massifier cette question, elle est possible. Les secteurs bancaires, ils demeurent, quoi que les gens puissent le dire, des éléments du règle du jeu. Et donc, articuler son intérêt à lui par la coercition, mais par l'intérêt. Et c'est là que, par exemple, le marché des obligations, par ailleurs, qui peut participer à renforcer en fonds propres ou à augmenter les ressources nécessaires pour ces acteurs, à condition qu'ils les implémentent sur les publics en question, qui nous intéressent, à savoir les PME, peut s'avérer aussi des éléments de convergence d'intérêt entre les différentes catégories d'acteurs. En tout cas, pour l'État ou pour les structures comme nous qui accompagnons, l'enjeu, et ce qu'on s'efforce de faire, c'est de démultiplier, et c'est ce qui est au cœur de notre intervention, des modalités de profiler de risque, quel que soit le type d'entreprise, de sorte à pouvoir jouer le rôle d'interface avec les différents guichets de financement qui peut y avoir. Et la crise, elle vient apporter un intérêt parce qu'elle vient mettre un accent, non pas à réinventer la roue partout où c'est, il faut regarder ce qui se passe en Malaisie, tous les acteurs qui bénéficient de financement, par exemple, ils passent par SME Corp, on les score, on les note, on leur donne un plan d'encadrement et ils bénéficient à travers cela de modalités de financement qui peuvent être diversifiées. Et donc, le BABA, qui est celui de l'accompagnement, je pense que depuis la nuit des temps, il est le même. Avoir les modalités de profilage des acteurs minimum, parce que c'est leur intérêt et c'est ce qu'il faut faire comprendre, et par l'incitation à accéder à des appuis de différentes natures, accès au marché public, facilitation d'accès à la sous-traitance, appui en subvention pour aider les acteurs à se renforcer ou accès privilégié à des mécanismes de capital investissement ou du secteur bancaire, on puisse aider à accéder à des ressources. Et enfin, que l'on puisse aussi sortir d'une perception qui est « tout le monde peut grandir ». Il y a un rapport de la CNUSED qui date d'il y a 2-3 ans qui disait qu'il faut accompagner ceux qui peuvent être entre guillemets accompagnés. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une panacée. On a des taux d'entrepreneuriat dans nos zones plus importants qu'aux États-Unis ou ailleurs. Souvent, c'est des entrepreneuriats par défaut parce qu'effectivement, il n'y a pas d'emploi et les entreprises ne génèrent pas des emplois. Donc, l'un des enjeux, c'est aussi, et ça revient aussi à profiler les entreprises, à être en mesure de sélectionner celles qui vont être en mesure de grandir pour qu'elles soient des locomotives et elles puissent avoir les financements qui soient adaptés. Merci beaucoup, Idrissa. Et du coup, je me tourne vers Anouar pour vous poser cette question. Anouar, donc il y a 152 banques dans la zone. On est à un moment où il y a l'implémentation de Bâle 3. On voit que ces banques, pour l'instant, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, elles sont très peu impliquées finalement dans le financement de l'économie réelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des systèmes de notation des PME, de regroupement en portefeuille qui permettraient que les banques de leur côté, au lieu de faire essentiellement un investissement dans des obligations d'État, elles aient un intérêt à accroître leurs encours sur l'économie réelle? Oui, tout à fait. Moi, j'ai, en tout cas, dans notre agence de notation, on l'a dit à de nombreuses reprises, et je vais me répéter pour ceux qui ont déjà lu nos papiers, mais il n'y a pas assez de finances en Afrique. Et c'est le cas dans toutes les zones d'Afrique, à quelques exceptions près. On a 14% de taux de bancarisation, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest,
c'est-à-dire un ménage sur sept dont tout le continent, on est un peu moins de 20%. Les seuls pays qui arrivent à dépasser la barre symbolique des 50%, c'est l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Égypte. Donc, on n'a pas assez de finances en Afrique et les phénomènes de consolidation qu'on voit au Nord n'ont strictement rien à voir avec nous. Les phénomènes de consolidation qu'on voit au Nord sont des phénomènes qui ont été accélérés par le Covid. Le Covid a bon dos. La banque dans le Nord, c'est devenu un métier de masse. Les marges sont tellement faibles qu'il faut être très gros. Chez nous, les marges sont très importantes. Si vous regardez les statistiques de la COBAC en Afrique centrale ou de la BCAO en Afrique de l'Ouest, on voit bien que les marges bancaires sont très robustes. Donc, on n'a pas assez de finances. Et les marchés financiers ne viennent pas concurrencer les banques. Donc, c'est un complément aux banques. On assiste à une financiarisation de l'économie qui est très graduelle, pas assez accélérée à mon goût, à notre goût à tous. D'autres points, c'est que les marchés de capitaux comme la BRVM sont assez considérablement pilotés par les banques elles-mêmes. Donc, on a aussi une désintermédiation bancaire qui a lieu. Alors, la deuxième chose qu'il faut noter et qu'on a constaté sur le terrain, c'est que vous avez des gagnants et des perdants. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que vous avez des nouveaux champions qui commencent à émerger dans un certain nombre de secteurs. Vous avez les secteurs en appui à la santé, les secteurs de la logistique, la livraison à domicile, le transport, y compris le transport artisanal, tous les métiers liés au digital qui sont en général portés par des startups. Les startups, si je ne m'abuse, sont quasiment toutes des PME, les télécoms et leurs sous-traitants, ainsi que la grande distribution et tout ce qui tourne autour, notamment l'agro-industrie. Et ça, dans notre zone, pas simplement dans les pays du Nord, aussi dans notre zone. Alors, pour répondre à votre question, que faudrait-il faire? Là aussi, on a, pendant les assises des PME il y a quelques années, et puis aussi dans différents ateliers et à l'université, on a travaillé sur ces questions-là, et j'ai vu passer une question qui nous demandait que peut faire l'État, quelles sont les urgences, que peuvent faire les pouvoirs publics. Idrissa est bien placé pour le savoir, parce qu'il est au cœur de l'écosystème, inciter au maximum à formaliser. Ça, c'est très important du point de vue des banques. Pourquoi? Comme vous le savez, la liquidité, c'est comme l'air qu'on respire. Quand il y en a suffisamment, on ne se rend pas compte qu'il y en a. Mais le jour où il n'y en a plus, on étouffe. Et les PME qui n'étaient pas suffisamment formalisées parce que la perception du risque pendant le Covid a été démultipliée à cause des effets d'incertitude, ces banques-là qui arrivaient bon an, mal an, à fournir des crédits court terme, du financement du BFR à quelques PME formalisées, se sont retrouvées dans une situation où elles ne voulaient plus le faire, où elles ne pouvaient plus le faire parce que les règles avaient changé. L'autre chose, c'est réduire la bureaucratie et améliorer notre classement dans le doing business. Regardez par exemple ce qu'a fait le Bénin, 40 places l'année dernière, en 2019, en une seule année, en termes de doing business, le nombre d'entreprises qui ont été enregistrées la même année a été doublé. Le nombre de PME qui se sont enregistrées auprès de l'agence des PME a doublé. Faciliter la mise à niveau. Au Sénégal, on le fait bien. On le fait bien. Le Maroc l'a fait il y a quelques années et là aussi avec pas mal de succès. Renforcer la gouvernance et les mécanismes de gestion des organisations, ce qui passe par la formation. Il faut renvoyer un maximum d'entrepreneurs à l'école. Un entrepreneur, ça a une idée, ça développe son idée, mais ce n'est pas un expert en fiscalité, ce n'est pas un expert en compta, ce n'est pas un expert en conso, ce n'est pas un expert en gestion de la négociation avec les banques. Et donc, il faut les accompagner et pour les accompagner, il faut les former. Il faut agréer de nouvelles banques. Il n'y a pas assez de banques. Oui, il y a de nombreuses banques, mais elles ne sont pas suffisantes sur le terrain macroéconomique. Et puis, enfin, je rebondirai clairement sur ce que dit Idrissa, améliorer la transparence. On sait noter les PME. Stan, de son côté, moi, de mon côté, et d'autres agences de notation de par le monde, on sait le faire. Il existe une agence de notation en Italie qui a 30 000 PME qui sont notées. Les Italiens l'ont fait, ça fait des années qu'ils le font. On sait le faire. En améliorant cette transparence, on facilite le fait d'amener, de canaliser, channel, disent les anglo-saxons, les PME futurs champions dans les secteurs que je viens de citer post-Covid vers la banque, de telle sorte à améliorer le relationship. Et puis enfin, ne pas négliger les effets de subvention directe ou indirecte. Tous les États l'ont fait dans leur histoire, ont subventionné un certain nombre de futurs champions nationaux, grandes entreprises, moyennes entreprises ou petites. Qui peut passer soit par des subventions directes, soit par des subventions indirectes sous la forme de garanties. Et là, ce qui est intéressant, c'est que no man is an island, nous ne sommes pas totalement isolés. Il existe des bailleurs de fonds qui ne sont pas prêts à mettre la main à la poche en cash,
mais qui sont prêts à mettre la main à la garantie, c'est-à-dire à fournir des rehaussements de crédit, soit directement, soit indirectement, par des mécanismes très divers. Donc, si on fait la somme de tout ça, vous avez quand même, et il ne faut pas non plus que nous soyons avares de compliments pour nous-mêmes, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, on a eu ces dernières années des trajectoires incroyables de petites boîtes qui ont commencé avec 3 francs 6 sous. Prenez livraison à domicile de nourriture comme Jumia, avec des moyens digitaux qui sont tout simplement des apps, et on se retrouve avec un champion presque panafricain qui suscite beaucoup d'appétit bien au-delà de nos frontières. Donc, si eux y sont arrivés, dans d'autres secteurs, on peut y arriver aussi. Les pouvoirs publics ont un rôle fondamental à jouer de chef d'orchestre. Et force est de reconnaître qu'il y a de belles histoires qui se sont écrites avant le Covid, pendant le Covid et très certainement après. D'accord. Alors, oui, je comprends, c'est vrai que c'est vraiment encourageant, mais j'ai une question par rapport à la transparence justement du tissu économique dont vous avez tous parlé, hein. C'est pas assez formalisé, on n'a pas les états financiers suffisamment clairs et transparents, parfois ils sont en plusieurs exemplaires, destinés à différents parties prenantes. Comment on convainc cette économie parallèle qui peut-être tire un certain bénéfice entre guillemets fiscal de cette non-transparence, comment on la convainc être transparent, avoir des états financiers qui tiennent la route, passer par le scoring ou par la notation, ça peut à la longue s'avérer beaucoup plus intéressant qu'un avantage fiscal de l'économie parallèle qui justement parce qu'elle est parallèle n'est pas imposable ou n'est pas imposée. Oui, mais bon, évidemment, ça, c'est la prérogative de l'État. C'est l'État qui gère la politique fiscale. Et je crois que finalement, on a l'impression que c'est culturel, parce que l'économie informelle existe depuis toujours. Donc, la possibilité de sortir cette économie de l'informel existe. Oui. Il suffit juste de s'organiser, de se structurer, et de sortir l'économie de l'informel. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire? Je ne pense pas, parce que quand je regarde l'évolution des économies africaines, je vois bien que chaque fois que vous parlez de sortie l'économie de l'informel, c'est un sujet où on vous dit c'est compliqué, mais compliqué, ça veut dire quoi exactement? Je crois qu'il y a la possibilité de le faire, c'est juste qu'il n'y a pas la volonté politique de le faire. Et cette volonté politique, il faut qu'elle existe. Aujourd'hui, on n'a même plus de choix. Les Africains n'ont plus de choix que de formaliser leur économie. Il n'y a plus de choix. Donc, évidemment, l'accès au financement va être de plus en plus réduite pour les pays africains. Il va falloir qu'ils réinventent leur capacité à générer du cash flow. Et évidemment, la première capacité des États, c'est les revenus fiscaux. Donc, il va falloir repenser leur politique fiscale dans leur économie pour pouvoir générer plus de cash. Évidemment, ça veut dire qu'élargir de façon significative l'assiette fiscale de sorte à collecter suffisamment de fonds. Donc la question du formalisme des PME ou de la majorité des entreprises d'ailleurs devient finalement une question de survie. Pour les États africains, c'est une question de survie. Aujourd'hui, on ne peut plus l'éviter. Donc, cette volonté politique, il va falloir la créer de toute façon, parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus trop le choix. Et ça, c'est la première chose. Donc, les États qui doivent fondamentalement créer cet environnement-là. Et je crois que, je pense que ça nous ramène encore toujours à la question de quel genre d'économie on veut avoir. Mais tout part de là. Qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est quoi le genre d'économie qu'on veut avoir à long terme? Pas à court terme, à long terme. Et aujourd'hui, cette crise doit être une rupture, doit marquer cette rupture-là avec les habitudes du passé. Et donc, de toute façon, quand vous écoutez mes prédécesseurs, Anouar et Idrissa, vous rendez bien compte que les opportunités sont là. Maintenant, il s'agit de s'organiser. Et je crois que la plus grosse faiblesse, c'est,
et des pays africains, c'est l'organisation. Comment on organise justement cet écosystème-là pour être autosuffisant finalement? Dans l'autosuffisance, on parle d'avoir un marché domestique qui soit performant, avec des entreprises qui soient performantes. Et pour avoir un marché domestique performant, il faut avoir des acteurs performants. Anouar a parlé tout à l'heure des champions nationaux. Ça ne semble pas être une priorité pour les pays africains, mais il y a certains pays qui ont compris, comme le Nigeria. On voit bien l'impact que ça a d'avoir des champions nationaux. Donc, cette réorganisation de l'économie autour des PME est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, c'est une question de survie. Et donc, maintenant, c'est de voir comment motiver les politiciens à vraiment s'orienter sur cette réflexion-là. Est-ce que le secteur privé devrait s'impliquer de façon significative dans cette logique de relation secteur privé-secteur public pour emmener la réflexion sur repenser un nouveau paradigme économique et financier de sorte à pouvoir financer les économies et toutes les composantes pour arriver à un niveau d'équilibre qui est recherché et pour arriver à un niveau d'indépendance qui est recherché. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je crois que tout le monde a un bout de solution. À la fin de la journée, s'il n'y a pas de volonté politique de fédérer toutes ces solutions qui viennent du secteur privé, du secteur public, pour en faire un ensemble cohérent et mettre en place des politiques cohérentes, de faire des réformes cohérentes, avoir une vision à très long terme, et puis impliquer évidemment ces acteurs-là qui sont les PME. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce qu'il faut faire pour les PME, mais il va falloir peut-être arrêter d'infantiliser les PME et plutôt les responsabiliser et qu'elles rentrent dans ce mécanisme de réflexion et d'arriver à des réformes et à des politiques qui soient adéquates. Aucun pays ne s'est développé sans réflexion et sans mise en place de politiques qui soient adéquates. On a parlé tout à l'heure du Bénin qui a fait un bond de 40 places sur Doing Business, mais c'est une question de réforme. Réforme pour répondre à des faiblesses. Et donc, il y a énormément de faiblesses que cette pandémie a choquées au grand jour, qui existaient, qu'on connaissait déjà, mais aujourd'hui, qui sont des faiblesses qu'il faut adresser de façon impérative et dans des discussions inclusives pour arriver à des solutions pratiques. Les solutions, on les connaît. Maintenant, comme je dis, il s'agit de mettre tout ça en un package, et ce package-là soit un package qui soit peut-être confirmé par ceux qui prennent les décisions et puis qui soient mises en application de sorte à justement minimiser ces faiblesses que nous avons et renforcer le tissu économique des PME. On a fait le tour, hein, mais on se rend bien compte que si les PME sont consolidées, si les PME sont performantes, on se retrouve avec des économies qui sont hyper performantes. Si les PME sortent de l'informel, et rentrent dans le formel, et que tout ça, c'est bien structuré, qu'elles sont performantes. Bien sûr, c'est des économies qui vont prendre des bons en termes de croissance économique énorme. Mais tout ça, il faut que ça commence par une réflexion concertée. Merci, Stanislas. Alors, puisqu'on parle du politique, j'en viens aux États. C'est-à-dire, dans la droite ligne de notre sujet, hein, est-ce que selon vous, cette crise du Covid, elle peut avoir un impact sur la solvabilité des États africains, ceux qui sont notés et ceux qui ne sont pas notés, puisqu'on sait bien que quand même de la solvabilité d'un État dépend ensuite la capacité des acteurs à l'intérieur de cet État d'obtenir du financement et de pouvoir agir. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un impact de la crise du Covid sur la solvabilité des États africains? Et comme on a dit tout à l'heure aussi que les banques étaient très engagées vis-à-vis des États plus que des économies, est-ce que ça pourrait poser un problème, entre guillemets, systémique, hein, sur la sphère bancaire elle-même? Moi, avant qu'Anouar ne passe, parce que moi, je reviens à la question d'avant, pas sur la solvabilité des États, où justement, parce que la crise, elle appelle à plus penser par le haut. Parce que quand on pense par le haut, on se retrouve à la fin de la journée avec les acteurs économiques qui, eux, globalement, sont laissés en marge parce que sur la question de la solvabilité, de la bonne note
supposée qui peut être celle de l'État ou des États, etc. Bon, globalement, on va se contenter de ça. Et c'est là où je dis que la crise est intéressante pour tout le monde. Stanislas le disait, la question la plus importante, et moi, en tant que DG de la DPME, mon premier propos, quand on me demande quelle est la difficulté par rapport à ce que j'ai à faire, comme disait Gramsci, c'est un combat d'abord d'idées. Considérer qu'on a un paradigme de la PME, c'est déjà arriver à résoudre presque 80% du problème. Mais quand le prisme par rapport à ces acteurs n'est pas arrêté parce que globalement, on vient à les appréhender de toutes les manières sauf de la bonne, on n'arrive pas à leur faire jouer concrètement leur rôle. Et effectivement, il a été question, ça se disait peut-être un élément culturel. Oui, peut-être, au sens où l'État, peut-être post-colonial, il est resté un peu à notre esprit avec des acteurs qui étaient le secteur moderne, le secteur informel qui était peut-être ce secteur indigène qui pouvait rester de son côté, dont on n'avait pas forcément besoin, et puis voilà, l'État qui pouvait s'en satisfaire. Je crois qu'on est en train de changer de prisme. Et cette crise, elle, frontale, participe à changer cet élément-là. Tu évoquais la question de l'économie parallèle et comment est-ce qu'on convainc les PME. En fait, ce n'est pas comment est-ce qu'on convainc les PME. Il y a une étude qui a été faite en Côte d'Ivoire, je crois que c'est du CERDI, qui disait quels étaient les déterminants de la formalisation des PME, mais pas à partir du prisme entre guillemets, du fonctionnaire ou de l'État, pensant pour l'autre, considérant ce qui est bien pour l'autre. Qu'est-ce qu'ils disent? Trois choses. Ceux qui se formalisent, ce sont d'abord ceux à qui on répond ou qu'on accompagne en matière de business plan ou de stratégie. Ceux-là se formalisent beaucoup plus. Ce sont ceux qui accèdent au financement, ceux qui accèdent au marché et, par ailleurs, ceux qui ont un cadre fiscal, etc. qui peuvent le faire. Mais les trois éléments sont déjà des éléments qui sont des éléments importants. Qu'est-ce qui se fait au travers du monde dans les politiques en faveur des PME? Les États-Unis, 1953, la Small Business Administration, la plupart des États, des politiques orientées vers ces acteurs d'accès privilégié à la commande publique, de sous-traitance, d'allotissement, de co-traitance, d'accès facilité aux mécanismes financiers, d'accès facilité au marché public, etc., etc. Donc, la question de comment est-ce qu'on fait pour les convaincre, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour les convaincre. Comment est-ce qu'on fait pour écouter ce que sont les déterminants des acteurs pour grandir? Et si on prend les PME, globalement, je mets de côté, encore une fois, ceux et celles qui n'ont pas d'autre choix que de mettre en place une activité pour survivre. Parce que là encore, derrière PME, on a tout. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Et pour certains, c'est une nécessité de créer une pseudo-activité ou une activité, parfois, qui n'a pas vocation presque à grandir. Mais à dehors de ça, ceux que vous accompagnez, ceux que vous rencontrez, si vous leur indiquez, vous échangez, vous les accompagnez, vous avez bien 50% qui a une aspiration à grandir. Et donc, ces acteurs-là, dans ce cadre-là, ils jouent les règles du jeu. Et ces règles du jeu, on les adapte avec justement un paradigme de la PME et un paradigme et une capacité à indiquer que le maître mot, c'est faire grandir un certain nombre de ces PME. C'est pas d'avoir des PME pour avoir des PME, c'est les faire grandir pour que ces derniers puissent jouer le rôle social qui est attendu d'elles au sein de l'économie. C'est ça le rôle des champions nationaux, faire en sorte de jouer le rôle de barrière dans des économies parfois qui sont un peu trop ouvertes et sur lesquelles une grosse partie de la valeur ajoutée va en direction d'autres acteurs. Donc, je pense que ça, c'est le point que la crise participe à remettre en place. Au Sénégal, et c'est là où, à la rigueur, le rôle de l'État, après, il faut qu'il s'aligne. C'est pas tant que... Je suis même pas sûr que c'est pas tant que la volonté n'y est pas. C'est un moment... d'avoir peut-être les ruptures, les chocs, les crises qui participent à se remettre en cause sur une manière de faire. Parce que un ministère des finances, du budget, dans les contraintes qu'il peut avoir,
il peut se retrouver dans une impossibilité, entre guillemets, au jour le jour, compte tenu des pressions qui sont celles qu'il a à résoudre dans son fonctionnement, peut-être à faire le pari d'un rebond plutôt que d'avoir 2 ou 3% de contributeurs qui sont des entreprises, d'en avoir 15% et de faire ce pari d'un investissement suffisamment important pour passer à 15% d'acteurs qui vont constituer l'assiette fiscale et la base. La crise permet au moins de desserrer un étau qui est là, qui consistait à dire, bon, entre guillemets, tout va bien, on grandit, mais on n'a pas besoin de cette rupture. Chaque pays, les acteurs ont ouvert les vannes, ont lâché du lest sur beaucoup de questions. Et pour moi, le défi, c'est justement les paris sur nos économies réelles, moins pris à la gorge éventuellement par des règles soit communautaires, soit internationales, qui nous permettent de dire que ce n'est pas 3% de notre économie qui la tire, c'est à l'intérieur de l'informel, c'est 10, 15, 20%. Et je crois, en tout cas, on vient de faire le conseil présidentiel au niveau du Sénégal il y a 2 jours, les enjeux ou les partis pris de dire que le secteur informel, c'est aussi celui sur lequel on a vocation à faire rebond pour se réapproprier un certain nombre de souverainetés. Nous, on a subventionné, par exemple, des tailleurs, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, parce que les masques, ils n'étaient pas disponibles. On peut dire, oui, mais pourquoi on va les subventionner, etc. Mais dans la subvention de ces acteurs, certains à Kédougou, dans les zones où il y a des mines, cette subvention et ces accompagnements ont permis à ces GIE de tailleurs d'être pour une fois éligibles aux tenues qu'on avait chez les miniers à Kédougou, alors qu'aujourd'hui, qu'on est qu'à 2% de contenu local pour les acteurs en question. Donc, subventionner massivement, accompagner les acteurs, faire un pari sur ce qui permet à ceux que l'on va considérer comme étant les locomotives de se saisir de ce temps qui va se finir à un moment, pour ne pas avoir 3% de l'économie entre guillemets formelle, mais en avoir 15-20% dans les 2-3 années. Et je pense que si ce pari il est fait, on a un alignement qui est possible entre les différentes catégories d'acteurs. Merci Idrissa. Oui, parce que de ce que vous dites, finalement, on a beaucoup parlé de la nécessité pour les PME elles-mêmes de se mettre en état de marche, en état de transparence. Mais il y a donc une certaine, entre guillemets, responsabilité des États. Est-ce que les États en font assez, selon vous, hein, pour accompagner cette économie informelle et, comme vous dites, arriver à ce qu'elle représente 20% et non pas seulement 3% des contributeurs fiscaux et de ceux qui permettent au pays de se développer. Est-ce qu'il y a assez d'intervention des États? Je ne parle pas des organismes multilatéraux ou des prêteurs extérieurs. Je parle des États de la zone. Est-ce qu'il y a assez d'investissement? Voilà, des États, pour accompagner ces PME qui seraient peut-être, elles, d'accord pour devenir plus transparentes si elles étaient mieux accompagnées. Vous avez parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis, effectivement, il y a 50 ans, dans l'aide aux PME. Est-ce que en Afrique, il y a assez d'accompagnement par les États du tissu économique? Pas encore, pas encore. Et ce sera toujours un couple coercition-incitation. Au Sénégal, on commence à voir poindre une volonté assez farouche des pouvoirs publics de formaliser, avec pour l'instant des mécanismes d'incitation, mais je parle sous le contrôle de Idrissa. La coercition devrait à un moment ou à un autre faire valoir ses effets. La question des États, parce que je suis conscient du temps, il nous reste 9 minutes et il faut quand même qu'on réponde aux questions de nos hôtes. Sur la question des États, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien tordre le cou à des fausses évidences. Et vous avez parlé de la solvabilité des États et de la notation des pays africains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au mois de mars, avril,
la planète finance a glosé à volo sur le fait que l'Afrique allait faire défaut, que ça allait être une catastrophe, que le Covid allait nous mettre sur les rotules. Et force est de reconnaître qu'après plusieurs mois, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et qu'on a très largement fantasmé l'incapacité de nos États à rembourser leurs dettes. Pour une raison très simple, savez-vous, et j'aimerais bien faire un survey dans l'assistante, on n'aura pas le temps, mais je serais curieux de savoir le résultat de ce survey, quel est le pourcentage de dette externe moyen de l'Afrique? C'est 28%. Je vais vous donner les statistiques de tête, hein, les statistiques des pays du Nord. Le Japon, c'est plus de 230%. La Grèce, c'est 177%. Le Liban, c'est 150% avant les problèmes qu'ils ont maintenant. Ils doivent être à 220%. La France, avant le Covid, était à 95%. Elle est aujourd'hui à 114%. D'accord? Et nous, on est à 28%. Arrêtons de nous dire que les économies africaines sont tributaires de la dette externe. Ce n'est pas vrai. L'autre chose qui est une fausse évidence, c'est que la dette externe a contribué au développement. Alors, avec les étudiants de l'école de management de Lyon, de l'EM Lyon, alors malheureusement, ce n'était pas les étudiants de Subdoco Dakar, c'était Lyon, on a fait un travail de recherche qui consiste à mesurer la corrélation entre la dette externe et le développement. Le taux de corrélation, je vous le donne tout de suite, il est de 0,0035. C'est-à-dire que la dette externe, la dette en devise, n'a strictement eu aucun effet sur le développement de nos économies, sur les indicateurs de développement, le PIB par habitant, l'indice de développement humain, etc. Mais justement, Anouar, pourquoi est-ce que les États africains empruntent en eurobonds et en devises? Pourquoi? Très simple, manque de compétitivité et manque d'attractivité, manque de compétitivité externe de nos économies, enfin de nos industries, et manque d'attractivité de nos territoires. Ça revient toujours à la question de la gouvernance que Stanislas disait tout à l'heure. Les États n'ont pas cette volonté politique pour l'instant. En tout cas, certains, le Rwanda s'y est mis, le Maroc s'y est mis, l'Afrique du Sud s'y est mis, la Namibie s'y est mis, le Ghana dans une certaine mesure, et maintenant, très récemment, le Bénin et le Togo. Très bien, mais ce n'est encore pas suffisant. Manque d'attractivité, manque de compétitivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux de nos étudiants qui sont en deuxième ou en troisième année et qui savent ce qu'est un compte courant, le current account, comme dit le Fonds monétaire international, c'est ce qui reste après qu'on a exporté et ce qui reste après qu'on a reçu les investissements directs étrangers. Donc, quand vous avez une balance externe déficitaire, c'est-à-dire que vous exportez plus de devises que vous en importez, il faut le financer. Comment vous le financez? Avec de la devise. Et cette devise-là, il n'y a pas 36 manières de la faire rentrer quand vous n'en avez pas assez structurellement. Eh bien, il faut l'emprunter, d'accord? Donc, les 28% du PIB qui sont empruntés à l'extérieur sont empruntés essentiellement pour un déficit de compétitivité, d'attractivité. Mais ça, on y répond comment? Pas avec des politiques conjoncturelles. Ce n'est pas la BCAO, la Banque centrale, qui va répondre à ces questions-là sur le long terme. Et ce n'est pas non plus nos pauvres petites PME qui ont déjà du mal à survivre en France CFA, à qui on va demander qu'il faut vendre des sandales ou des masques ou je ne sais trop quoi aux Chinois ou aux Malais. D'accord? Ça relève des politiques structurelles. Et les politiques structurelles, ça prend du temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nos huit États en Afrique de l'Ouest ont tous des politiques structurelles qui tiennent la route et qui sont essentiellement, on va faire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui sont essentiellement orientés vers l'industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire le passage du secteur agricole, du secteur primaire vers le secteur secondaire, c'est ce qu'on appelle l'agro-industrie. Ça vaut en Côte d'Ivoire, ça vaut au Sénégal, ça vaut au Bénin, ça vaut ailleurs. Ça prend du temps, il faut être courageux, et surtout, 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 il faut être suivi. C'est-à-dire que le politique doit continuer, vaille que vaille, à maintenir les politiques économiques structurelles qui regardent sur le long terme et qui passent forcément, encore une fois, par davantage d'agilité, de flexibilité, pourquoi pas un moratoire sur la fiscalité au niveau des PME en deçà d'un certain seuil, etc., etc. Ça se fait, on n'a pas à rougir, on avance, pas aussi vite qu'on voudrait, mais en tout cas, et pour revenir au sujet, ce que le Covid peut nous inciter à faire, c'est d'accélérer, d'aller encore plus vite, encore plus fort, encore plus loin et d'avoir un esprit olympique. Voilà, ce ne sont pas des vœux pieux, hein, c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. On va voir post-Covid
si la chose continue d'être dynamisée ou si au contraire on fait une pause. J'appelle de mes voeux au fait qu'on ne fasse pas de pause et que finalement on suive la trajectoire du sud-est asiatique. Le développement, c'est hard work and savings. Voilà, il faut épargner, il faut travailler. Le reste, c'est de la poésie. Merci, Anouar. Si je peux juste rajouter quelque chose rapidement, je suis la même veine qu'Anouar. Aujourd'hui, je crois qu'il est important de comprendre que cette pandémie est venue nous rappeler que même si nos économies avaient une certaine résilience, cette résilience-là, évidemment, devant des chocs énormes comme ceux du Covid, fragilise cette résilience-là. Et donc, évidemment, il va falloir accélérer les réformes, accélérer la transformation de l'économie, de sorte à justement avoir des choses à offrir aux Malais et aux Chinois, comme disait tout à l'heure Anouar, pour pouvoir accumuler justement suffisamment de devises étrangères pour pouvoir consolider la résilience extérieure de nos économies. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est une question de survie. Il est important d'accélérer les réformes pour la transformation de l'économie. Ça a commencé, hein, Anouar l'a bien signifié, dans beaucoup de pays de la sous-région, ces politiques industrielles ont commencé, beaucoup de diversification, parce que c'est ce qui crée cette résilience d'ailleurs, la diversification des économies. Maintenant, il faut la transformation. C'est bien de diversifier, mais après, il faut pouvoir transformer, et pour pouvoir justement transformer et créer de la valeur sur nos matières premières, de sorte à pouvoir avoir des choses à exporter, des produits finis à exporter, pour réduire l'emprunt extérieur qu'on est obligé de faire, et plutôt gagner les devises dans l'exportation des produits finis plutôt que dans l'emprunt des devises étrangères. Donc pour l'instant, nos pays semblent être plus ou moins OK sur le remboursement de leurs dettes, mais évidemment, il y aura beaucoup de pression à partir de l'année prochaine. Si justement cette accélération-là n'est pas faite, il y aura certainement beaucoup de pression si la reprise n'est pas dynamisée, s'il n'y a pas une politique structurelle de reprise, et pas de court terme, hein, pas de firefighter, hein, pas de pompier, mais de politique structurelle à long terme pour justement commencer cette reprise-là dans une logique de long terme et non pas dans une logique de juste éteindre le feu. Merci beaucoup, c'est très clair. Idrissa, vous, votre point de vue pour terminer, hein, et après on conclura sur justement comment rendre les économies plus compétitives et plus exportatrices, justement pour ne pas avoir à emprunter en devises, ou moins. On ne vous entend pas, Idrissa. Idrissa? Pardon, oui, c'est bon. Oui. Allô? Peut-être, si vous en êtes d'accord, parce que je crois qu'il y a après quelques questions qui ont été posées, qu'on s'assure que nos auditeurs aient la réponse à leurs questions, peut-être aussi, ça permettra au moins de leur témoigner la gratitude qu'on a à leur égard de nous avoir écoutés pendant ces quelques minutes. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas uniquement emprunter en devises? Au Sénégal, un pari a été fait, malgré tout. En 2003, en 2010, des concertations nationales sur le crédit ont été conduites, qui évoquaient en particulier trois principaux ou quatre principaux défis. Le premier, c'était d'avoir des mécanismes de garantie, parce que à la fin de la journée, il faut pouvoir couvrir le risque et il faut pouvoir avoir des outils susceptibles de le faire. Le second, c'était avoir des mécanismes de capital investissement aussi susceptibles de faire en sorte que on puisse renforcer en fonds propres les entreprises ou prendre des participations ou s'engager dans des projets qui soient des projets structurants. En troisième lieu, c'était de disposer de banque qui est une vraie orientation en direction des PME. Et en quatrième, c'était d'avoir un programme de labellisation, faire en sorte de rendre plus lisibles les PME, renforcer leur éligibilité. C'est le mécanisme de scoring. Depuis 7 ans, 8 ans, en gros, ces quatre défis ont été relevés. C'est-à-dire,
On a mis en place un fonds de garantie des investissements prioritaires. On a mis en place un fonds souverain des investissements stratégiques. À l'époque, il était dit, oui, mais on n'a pas de pétrole. Entre-temps, on en a trouvé. Mais même si on ne trouvait pas, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est de prendre des participations de manière massive sur des projets sur lesquels l'État n'avait pas de position. On a mis en place une institution majeure qui finance essentiellement, elle, les PME. C'est presque 40% de son portefeuille, un peu plus, la BNDE. Le chef de l'État parle de mise en place d'une holding de l'ensemble des institutions bancaires sur lesquelles on a des ressources de l'État et pour permettre d'avoir une première ou deuxième institution bancaire nationale et pas être en queue de peloton et devoir subir. Je pense que les pays et les nations qui arrivent à développer leur économie ont les institutions financières pour ça. On a enfin réussi, nous, à mettre en place, ça nous a été confié à l'ADPME, mettre en place une unité de scoring et de labellisation. On a 300 entreprises qui sont notées, mais par exemple, dans le plan de relance qui a été validé, le gouvernement a acté le passage à un scoring universel. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir noter dans les trois prochaines années 10 000 entreprises. Et tout le défi, et les partenaires s'y associent, c'est d'articuler le fait qu'on soit noté à des incitations d'accès au financement, d'accès à des marchés publics, d'accès à de l'accompagnement, d'accès à de la sous-traitance sur des lignes de garantie. Et plutôt que d'avoir que quelques-uns, on aura là aussi une dynamique. Et donc, au final, des souverainetés, notamment économiques, indispensables à conquérir pour se donner la possibilité, je ne parle même pas du levier qui est le levier des marchés publics, qui est l'un des principaux leviers pour permettre de développer nos entreprises ou sous de la sous-traitance sur lesquelles on a des matières à faire ou du contenu local. Ces éléments nous permettent en matière de souveraineté aujourd'hui de pouvoir, en tout cas de devoir, et la crise le rappelle, passer à l'échelle pour que justement ça nous permette de faire les choix sur nos champions nationaux en matière pharmaceutique, en matière agroalimentaire, en matière numérique notamment, dans nos économies. Et à ce niveau-là, en y ajoutant les capacités qui existent, on l'a vu récemment avec Cofina il y a quelques années, NSIA Banque Côte d'Ivoire, les mobilisations d'un certain nombre de grands groupes sur le marché de la titrisation, mais en les dupliquant ou en augmentant cette capacité au secteur bancaire nationaux et sous-régionaux, je pense qu'on sera en capacité de mobiliser suffisamment de ressources pour que nos PME soient compétitives, parce que là, globalement, elles seront accompagnées et on sera en mesure d'injecter, avec différents outils, les ressources nécessaires à ce qu'elles puissent grandir et porter l'économie. Donc, voilà, je pense que quand même des ingrédients sont là et je pense que cette crise, voilà, vient fouetter encore davantage ce défi en matière de souveraineté financière, en particulier pour développer nos entreprises. Merci Idrissa. Alors justement, il y a deux questions, ce sera les deux dernières questions de l'assistance. Sur est-ce qu'il n'y aurait pas quand même la nécessité pour les banques d'organiser des formations à l'endroit de leurs clients PMI, PME pour les aider justement à s'organiser pour avoir accès au crédit? Bon, ça c'est une première question. Alors oui, peut-être pour moi, au sens où elles ont à avoir, selon moi, des meilleures stratégies PME, ce n'est pas simplement des slogans, c'est-à-dire segmenter les marchés, appréhender davantage les secteurs dans lesquels ils sont impliqués, se doter d'une capacité à appréhender les risques sur des publics qui ne sont pas forcément les publics qui sont le gros de leur portefeuille, donc ça doit être apporté à un niveau suffisamment important, et c'est dans la combinaison de ce que l'État et le secteur bancaire a à faire. Le secteur bancaire, son job, c'est de prêter, de ne pas perdre et de gagner de dessus. L'État et les acteurs, c'est aussi de mettre en place les conditions. La BCAO en particulier, dans son mécanisme de refinancement, met en exergue les structures d'appui et d'encadrement dont font partie par exemple la DPME et d'autres dans la sous-région, pour faire en sorte que les banques qui financent les PME accompagnées puissent être éligibles au guichet de refinancement. D'accord. Et il y a
Merci beaucoup. Et il y a une question sur la fiscalité. Est-ce que la fiscalité est bien abordée au Sénégal dans le Code général des impôts? Est-ce qu'elle prend vraiment en compte la réalité économique africaine et plus précisément sénégalaise? Donc, est-ce que la fiscalité est adaptée au PME? Mais avant de reprendre à cette question, c'est possible de revenir sur ce que les banques doivent faire? Oui, je crois que de toute façon, les banques ont intérêt à avoir des contreparties qui soient solides, des contreparties qui soient crédibles. Donc, c'est dans l'intérêt même de la banque. Donc, en réalité, même si ce n'est pas son métier de faire du conseil, la banque a intérêt à certainement orienter, conseiller et s'impliquer un peu plus avec ses contreparties PME, de sorte à les rendre peut-être plus capables d'absorber leur propre risque de contrepartie et elle est capable de bien gérer les fonds qui sont mis à disposition. En faisant ça, la banque réduit elle-même ses risques de perte. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de juste se contenter de demander des garanties, mais à la fin de la journée, c'est de se rassurer aussi qu'une PME à qui on prête, qui gère bien les fonds, qui investit bien dans le développement de son entreprise, qui grossit, est un client qui grossit, qui emmènera plus de business à la banque, évidemment, qui empruntera plus et qui permettra à la banque de gagner plus. Donc, évidemment, c'est dans l'intérêt premier même de la banque de se rassurer que ses contreparties sont capables de mieux gérer les fonds qui sont mis à disposition. Nous le conseillons, enfin, nous en discutons souvent avec les banques, où nous leur expliquons qu'il ne s'agit pas de juste constater que les PME n'ont pas la capacité d'absorption ou n'ont pas la capacité ou ne remplissent pas les conditions et de les barrer. Non, il s'agit de justement aider ces PME-là à répondre aux critères qui sont ceux de la banque et d'aider les PME à justement, quand elles ont emprunté, quand elles ont fini par avoir l'argent, les aider justement à mieux gérer cet argent-là. C'est important que les banques développent en leur sein une unité qui soit capable de faire le suivi de ces emprunts-là. C'est très important. Oui. Et c'est dans son propre intérêt, justement. C'est ce que je voulais rajouter. Merci, Stanislas. Apparemment, cette dimension conseil des banques à leurs clients n'est pas tout à fait suffisante. Hein. Bon. Et alors, il y a une autre question. Bon, il y a celle sur la fiscalité et il y a aussi une question sur les outils de réglementation et normes. Malgré le dispositif de financement des PME-PMI mis en place par la BCEAO, est-ce qu'il ne faudrait pas d'autres outils? Que faut-il en termes d'outils? C'est ça la question, hein, de réglementation et de normes, puisque le dispositif de refinancement auprès de la BCEAO reste pour l'instant apparemment insuffisant pour se solder par plus de financement aux PME-PMI. C'est une des questions. Je vais répondre aux deux questions. La première, c'est la fiscalité. Je la subis directement à Dakar. Et je peux vous dire qu'elle est limite confiscatoire et particulièrement inadaptée aux entreprises de notre taille, aux entreprises de taille intermédiaire. Alors, les très petites entreprises, moi, je considère qu'elles ne devraient pas être fiscalisées du tout. Il devrait y avoir un moratoire sur la fiscalité des petites entreprises parce que ça nous étrangle, notamment en termes de trésorerie. La deuxième chose, pour les entreprises de taille intermédiaire, il faudrait penser à une fiscalité progressive parce que c'est délirant. C'est juste délirant. Donc, la réponse à la question, la fiscalité au Sénégal est-elle bien adaptée? La réponse est non. Mais l'est-elle dans quelques pays que ce soit, à part les paradis fiscaux? Donc, mais on peut penser à des choses un peu plus intelligentes, un peu plus fines, qui nous permettraient de croître plus vite sans être forcément étranglé par la trésorerie. Alors, sur la question réglementaire de Mme Awagay, hein, je l'ai vu passer, elle est très, très, très fine, cette question. Alors, la BCAO, le mécanisme de la BCAO, un mécanisme intéressant hein, qui consiste à réduire la consommation de fonds propres pour les banques qui prêtent aux PME. C'est une très bonne idée, en fait. Hein, c'est une très bonne idée de réduire la consommation de fonds propres des banques qui prêtent aux PME. C'est incitatif, mais pas suffisant. La deuxième chose, le guichet de refinancement. Bon, effectivement, la BCAO refinance les portefeuilles ou un certain type de portefeuille sous condition des PME qui sont financées. Il faudrait l'élargir. L'autre chose, c'est quand une PME est en situation de défaut, ce serait intéressant de penser à des mécanismes de sortie du bilan, c'est-à-dire de les porter hors bilan avec un traitement spécifique qui permet de ne pas provisionner directement et en totalité l'ensemble de la somme que le plan comptable et la réglementation imposent de manière brutale aux banques. Hein, on pourrait penser à des mécanismes de defeasance qui pourraient être
indirectement ou directement subventionnées par des entités publiques qui seraient en relation avec la BCAO. On pourrait penser aussi à ce que l'Europe est en train de faire, à savoir la titrisation de créances non-performing loans, c'est-à-dire qu'on pourrait titriser des créances en état de défaut. Alors, pas les créances qui sont en état de défaut à 360 jours ou plus, mais les créances qui sont en état de défaut avec un certain mécanisme de sélection, on pourrait les sortir du bilan dans des fonds dédiés où les autorités publiques auraient maille à partir, c'est-à-dire où on pourrait envisager que les banques puissent se défaire d'un certain nombre de ces créances via des mécanismes de titrisation où la tranche equity, la tranche fonds propres, serait souscrite par une forme de mutualisation publique. Quitte à mettre en place un système ensuite de suivi de ces non-performing loans, de ces créances en souffrance, avec des mécanismes de restructuration que les banques n'auraient pas à supporter elles-mêmes. C'est exactement ce que l'Europe est en train de faire. D'ailleurs, on va assister dans quelques mois à une grande vague de ce qu'on appelle NPL securitization, titrisation de créances en souffrance. Pourquoi est-ce que les Européens le font et pourquoi nous, on ne le ferait pas? Mais à nous voir, la loi sur la titrisation le permet déjà chez vous. Absolument, fonds communs de titrisation de créances, tout à fait. On le permet depuis… Ah non, mais... Mais c'est des idées qu'on va discuter avec la place, avec nos camarades. C'est des choses qui sont totalement faisables, sous condition, bien évidemment. C'est beaucoup plus difficile à implémenter. Il faut des suivis beaucoup plus fins, mais on peut le faire. Les Italiens le font. Les Espagnols et les Portugais sont en train d'y penser. En France, les premières transactions sont dans le pipe. Donc, voilà, il n'y a pas de problème technique. Après, il y a des problèmes de pricing, il y a des problèmes de placement de ces papiers auprès des investisseurs aguerris. Ce n'est pas n'importe quel investisseur qui peut porter ça sur son bilan, mais les rendements peuvent être particulièrement intéressants et ça aiderait les banques à se défaire d'un certain nombre de créances. Donc, la question de Mme Gay est très, très fine et la réponse, c'est la BCAO en fait quand même pas mal. Guichet de refinancement plus réduction de la consommation de fonds propres pour les PME, on pourrait penser à d'autres mécanismes qui ne sont pas forcément de nature purement réglementaire, mais qui impliqueraient forcément le régulateur bancaire. Ça, c'est une nécessité. Voilà. Merci, Anouar. Alors, on a dépassé même l'horaire de notre webinaire. Je vais peut-être vous proposer de conclure. Moi, à vous entendre et à entendre ce débat, j'ai une conclusion optimiste de ce débat pour l'Afrique, c'est que finalement, cette crise du Covid, c'est un incitateur très puissant à mettre en place des réformes qui sont pending depuis longtemps, mais qui là, finalement, il n'y a plus le choix. Il faut mettre en place ces réformes, c'est possible de le faire. Et finalement, la crise pourrait être une opportunité pour, entre guillemets, contraindre un peu toutes les parties prenantes à faire ces réformes qui sont possibles et qui sont porteuses de vraiment plein d'espoir. Enfin, c'est la conclusion des trois débats de vous trois que moi je fais. Alors, est-ce que vous avez, vous voulez faire une conclusion aussi chacun de votre côté? Une conclusion très courte, moi je vais revenir parce que j'aime bien l'étymologie. C'est une crise autour de laquelle on renaît plus fort. Et à mon avis, et je partage totalement votre optimisme, Catherine, chez nous en Afrique, on a cette approche face à des chocs qui consiste en permanence à au moins se donner la capacité et la volonté de renaître plus fort. En tout cas, je suis un très, très grand optimiste, en tout cas sur notre zone, pas sur toute l'Afrique, parce que la partie sud-est, du côté du Mozambique, tout ça, ça ne va pas très bien. Mais chez nous, en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y aura beaucoup de bon qui sortira de ce mal. Voilà, moi j'ai fini de mon côté. Merci Anouar. Stanislas, quelle est votre conclusion? Non, moi je pense que déjà je vous l'ai dit, merci à Subdeco et merci à Catherine. Je crois qu'il est important d'avoir ce genre de discussion là entre le secteur privé et le secteur public. Et continuer à réfléchir sur ces questions-là et commencer à accélérer justement les réformes nécessaires pour pouvoir
répondre à la nouvelle problématique de nos économies. Idrissa a parlé tout à l'heure de choc. Oui, ça, c'est un choc, ça. La pandémie de coronavirus est un gros choc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un wake-up call. Il est important de commencer à accélérer le mouvement de réforme pour pouvoir justement se rendre autosuffisant, rendre nos économies autosuffisantes dans tous leurs besoins. Il n'est pas exclu qu'il y ait, à un moment donné, ce choc nous ramène dans une logique de recroquevillement sur soi-même des États. Hein. Ça commence, pour l'instant, ça semble être ponctuel pour contenir la pandémie, mais je peux vous dire, il y a des politiques dans certains pays qui sont en train d'être mises en place pour que ces restrictions deviennent réelles et deviennent leur quotidien, finalement. Donc, ça veut dire qu'il y aura une tendance à la restriction, restriction des libertés qu'il y avait entre les pays, même en termes de mondialisation. Cette liberté logistique qui existait va certainement ralentir un moment et dans certains cas va certainement se réduire de façon significative. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour que les économies africaines arrivent à des niveaux où, même si tout se ferme, elles peuvent vivre en autarcie. Et ça, c'est très important. Le meilleur test de la mondialisation, c'est la capacité de vivre en autarcie. Donc, évidemment, vous vivez dans un monde qui est mondialisé, mais si cette mondialisation s'arrête brusquement, comme ça a été le cas, il faut être capable de continuer à vivre. Parce qu'évidemment, à cause de cette mondialisation, tout le monde a baissé les bras. On rentre dans une logique libérale d'interdépendance, soi-disant, mais finalement, les pays africains se retrouvent dépendants. Les autres sont interdépendants, mais quand on ferme, ils ont une capacité de continuer. Les pays africains, on a bien vu, n'ont pas une capacité de continuer. Donc, il est important que cette autosuffisance soit atteinte rapidement. Et donc, il y a urgence et il y a vraiment urgence dans la démarche. Voilà. Merci. Merci, Stanislas. Idrissa. On ne vous entend pas, Idrissa. OK. Back. Voilà. Oui, merci beaucoup et merci effectivement à Catherine, au groupe Sudoco et à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Comme je disais, je commençais en disant dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze. Et je pense que c'est encore une fois l'occasion, effectivement, que ce dernier puisse se bronzer. Et l'État, même si il a bon dos sur beaucoup de questions, il n'a jamais été aussi présent à des niveaux tellement insoupçonnés en matière d'intervention depuis pas mal de décennies, que l'on voit bien son rôle, son importance en matière de régulation. Je rappelle juste, dans les peut-être 10, 20, 30 dernières années, sur les différentes crises, que ce soit la dévaluation, peut-être la crise sur l'énergie, au Sénégal, la crise sur la grippe aviaire, des bonnes choses et on s'en sortit. Des industries des indépendances, par exemple, sur le secteur avicole, ont pu sortir de ces crises. Je pense que celle-ci, pour l'Afrique, a aussi montré en quoi les souverainetés, ils avaient à être reconquises pour effectivement non seulement s'assurer d'un caractère beaucoup plus inclusif de nos États, mais effectivement poursuivre des marches qui sont quand même des marches, à mon avis, relativement profondes en matière de développement du continent africain. Donc, résolument, même pas simplement optimiste, mais réaliste dans le cheminement qui est celui du continent africain de renouer avec lui-même, de celles et ceux qui y sont et qui l'accompagnent, de prendre ses rênes en main pour porter notre développement et pour conduire à nos destinées et ne pas les subir. Et je pense que cette crise, dans des choses aussi infimes, je finis par là, il y a un jeune que l'on accompagne, sorti de Polytechnique Paris, sorti du MIT, qui finalisait la semaine dernière son respirateur. Je ne parle pas des respirateurs qui ne sont pas forcément agréés. Respirateur en lien avec les acteurs du MIT ou d'ailleurs. Le défi pour lui, c'était à partir de pièces relativement standards que l'on retrouve ailleurs, d'être en capacité de se donner la possibilité, sa boîte, c'est une boîte qui fait de la surveillance notamment,
d'élaborer des respirateurs qui puissent être mis à disposition à des coûts qui soient modiques pour pouvoir éviter que les mécanismes de respiration de niveau 5 puissent être mis en place. Des évolutions comme celle-ci, des révolutions que les acteurs sont en mesure de mettre en place, que les Africains, leur diaspora, sont en mesure d'implémenter. Et dans le secteur financier, je suis persuadé que ça va se poursuivre. Je suis persuadé que la crise, elle fouette les orgueils pour que, justement, on puisse vraiment avoir des développements beaucoup plus endogènes et beaucoup plus en lien avec nos capacités. Merci beaucoup à vous trois pour ce débat passionnant et puis pour vos conclusions qui finalement sont extrêmement positives. C'est comme ça que je le ressens et porteuse d'espoir. Donc un grand merci et merci à Subdeco Dakar pour avoir organisé ce webinaire. Et donc je laisse la parole à Subdeco Dakar pour conclure. Voilà, parfait. Donc, allô? Oui. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Le mot de la fin pour nous, c'est simplement de remercier les très chers panélistes qui ont vraiment voulu accepter de donner de leur temps, de contribuer. C'est très altruiste de votre part. Et l'ensemble du personnel, le management de Subdeco vous remercie. Nous remercions également les participants qui à chaque webinaire, ils sont présents avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous aux prochaines sessions. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir.